kilos. Ce combat sera de durée de 4 ans de 2 minutes. The next battle, this for the final team selection. In the female 75 kilogram division, this bout will consist of 4 2-minute rounds. Veuillez accueillir dans le coin rouge. Elle représente l'équipe Québec. Son adversaire dans le coin bleu. Elle représente l'équipe Ontario. Her opponent, fighting out of the blue corner, representing Team Ontario, Mary Alors, le prochain combat qui s'apprête à débuter. La clochonne, Ariane Fortin contre Mary Spencer. Belle combinaison d'Ariane pour commencer le combat. Elle glisse sous le jab de Spencer. Elle semble très réveillée. Un combat de calibre international que nous avons ici. Ça s'appelle Ariane qui a remporté le championnat canadien à Regina il y a 3 semaines. Elle avait complètement dominé Spencer. Beau travail d'Ariane. Elle amène Spencer sur les talons. Vous remarquez les coups de Spencer là, qui semblent avoir moins d'impact. C'est plus difficile d'envoyer des bons coups quand on travaille de reculons. Ariane qui a envoyé 3 fois des séries crochets avant à la tête et crochets arrière au corps. Et ça porte fruit. Des belles combinaisons de la part d'Ariane. Spencer qui n'en fait pas autant, là. Elle travaille avec des coups uniques. Et elle laisse Ariane s'approcher beaucoup trop. L'arbitre qui arrête le combat. Il va probablement replacer les cheveux de Spencer. Si vous voyez dans le coin gauche de votre écran, on voit Mike Moffa, l'entraîneur d'Ariane, qui ne peut être dans le coin ce soir, car avec une nouvelle réglementation de l'AIBA qui interdit les coachs ayant coaché dans des combats pro dans les 6 derniers mois, ne peuvent pas coacher au niveau national et international. En première ronde qui se termine, un bon round d'Ariane, je lui donne clairement. Elle a contrôlé l'action, a fait reculer Spencer et a porté les meilleurs coups. Deuxième round. Alors, si Marie désire remporter
des rondes, elle devra se tenir un peu plus à distance. Car de proche, c'est clairement Ariane qui a l'avantage. Elle devra se déplacer peut-être un petit peu plus vite. Bouncer vers l'arrière et revenir de l'avant pour lancer ses attaques. Bon crochet de Spencer. Elle semble plus calme qu'au premier round. Pour une fois, une belle série. Elle ne laisse pas Ariane la coller. Vous pouvez entendre la foule là, ici. On a salle comble à l'hôtel Lauze-le-Concorde pour la présentation des championnats canadiens juniors. La sélection élite finale 2014, une présentation d'Energy Box en collaboration avec Way Productions. Oh, belle gauche d'Ariane. Son meilleur coup du round, qui est jusqu'à présent contrôlé par Spencer. Ariane qui recommence à travailler de proche. C'est une sorte qui est moins mobile qu'en début de ronde. Ronde quand même assez serrée. Troisième ronde sur quatre, comme c'est l'habitude chez les dames. Quatre rondes de 2 minutes. Ariane qui recommence à travailler là, les mains hautes. Elle bloque les attaques de Spencer et revient avec la contre-attaque. Ça remarque les déplacements de Spencer, elle croise souvent les jambes. Elle a souvent les deux pieds rapprochés, ce qui l'empêche de donner des bons coups. Ariane commence ses séries avec le crochet avant. Elle touche souvent la cible. Belle série encore une fois. Spencer qui a laissé de côté ses bonnes habitudes du deuxième round. Belle série. De proche, Spencer qui ne réussit vraiment pas à avoir le dessus. Un très bon round d'Ariane encore une fois. Donc 2-1 selon ma carte.
quatrième et dernière ronde. Alors, la personne qui remportera sa ronde pourra se sauver probablement avec la victoire. Tu dis beaucoup en début de ronde. Marianne qui se met à l'œuvre. Oh, bel uppercut suivi d'un direct. Elle réussit toujours à trouver un trou. Et souvent, son premier coup déplace la tête de Spencer pour laisser rentrer le deuxième coup de son attaque. Oh, Spencer n'a pas aimé ce direct. Alors jusqu'à présent, ça se déroule bien pour Ariane. Dix secondes seulement au combat. Un excellent combat. Ariane qui semble très contente. Et la foule aussi. Nous allons avoir la décision des juges dans quelques instants. Par décision partagée. Un très beau combat. Elle réalise enfin son rêve d'être membre de l'équipe nationale chez les 75 kilos.